Bonjour et bienvenue sur Do It Yourself Inspiration. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit livre, un livre sur le stress. Donc c'est en anglais. Mais voilà, donc je vais déjà montrer. Donc en fait, ici, donc il y a marqué Moodles. Voilà. Donc, c'est... j'ai eu ça sur Amazon. C'est à peu près, ouais, 6 euros. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est bien sûr en anglais, mais bon, l'anglais, c'est facilement compréhensible, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on peut comprendre tous les conseils. Voilà, il y a des petites instructions. Voilà. Donc voilà, il y a pas mal de choses pour réagir face à tout ça. Il y a des jolies petites illustrations. Voilà, donc un livre tout en rose, hein, donc c'est aussi sympa. Voilà, ici on a le gladiateur. Il y en a une petite tortue. Ici on a une jolie montgolfière. Donc pour se laisser emporter comme ça, ça peut être chouette. Ici on a des palmiers. Voilà. Ici un monstre du stress. Voilà. Donc c'est vraiment joliment illustré. Donc là on a une petite feuille. Voilà. Ici donc là on a tous les jours de la semaine. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez faire à chacun de ces jours. Voilà. Ici, donc, on a un petit labyrinthe. Voilà. Et donc, voilà. Donc, là aussi, on a des petits cadres blancs, hein, pour faire un peu ce que vous voulez. Voilà. Donc, à chaque fois, vous devez faire un petit dessin, enfin une encre même, chaque jour de la semaine. Chaque mercredi. Voilà. Pour les progressions, par exemple. Ici, on a plein de petits points aussi qu'on peut relier. Voilà, donc on peut faire des choses, enfin, il y a plein de choses créatives. Voilà. Là, on peut faire comment faire un petit bateau. Les nuages. Donc plein de jolies choses avec de jolies choses à faire. Voilà. Donc pour ce qui concerne, en ce qui concerne donc ce livre, bon bah voilà, je vous ai montré à peu près tout ce qu'il contenait. Voilà, donc c'est différents conseils, différents moyens pour éviter le stress, pour calmer le stress. Voilà. Donc plutôt cool, plutôt sympa. Il y a vraiment plusieurs tendances, plusieurs exercices, si on peut dire. Voilà. Donc voilà. Si vous l'avez en possession, une fois, je vous souhaite un bon moment avec. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre, si vous connaissez. Aimez la vidéo si ça vous a plu. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous dis à une prochaine. Salut !